Regardez cette rivière. Elle est complètement morte. L'eau ne bouge plus, elle est sale et envasée. Et il n'y a plus de poissons. Il est temps d'agir. Mais comment ? Essayons d'obtenir des conseils, car à deux pas d'ici, un syndicat de bassin versant a trouvé une solution et a réalisé des travaux. L'agence de l'eau m'a conseillé de venir vous voir concernant un projet de renaturation. Alors en fait, quel est l'intérêt ? Vous avez le lit naturel du Foulbrock, tel qu'il était avant le 19e siècle. Et puis vous avez, plus en hauteur, un bras artificiel. Ce bras artificiel avait pour but de provoquer une chute, pour alimenter un moulin, voire par la suite une turbine. Tout ça, c'est obsolète. En plus, c'est gênant. Les poissons ne peuvent pas remonter. Vous avez aussi un mauvais écoulement des sédiments parce qu'ils sont bloqués là. Vous avez l'agriculteur qui est pénalisé parce que ce bras perché coupe en deux, si je puis dire, ses parcelles. D'où l'intérêt de réaliser cette renaturation. Donc le but, c'est de supprimer ce bras perché, de le recombler et puis de renvoyer la totalité de l'eau du Foulbrock dans le bras naturel ici. Le travail a donc été un travail de déplacement du cours d'eau. On s'est servi de son ancien lit dont on conservait une trace. On a travaillé avec la mise en place de bancs alternes, de matériaux graveleux. En fait, c'est des matériaux, des cailloux, des silex qui ont été sortis des terrains adjacents ou des prairies et parcelles voisines. On a conservé déjà des ourlets de plantes aquatiques ou semi-humides qui existaient. On en a prélevé dans le bief que l'on a dû combler et on est venu les réinstaller ici. Avec effectivement un Foulbrock renaturé, on va avoir une pente continue, une eau plus courante, des zones d'eau profonde, des zones de radier, donc des zones plus caillouteuses, des zones de cache sous les racines des arbres. Et ça, c'est très propice à la faune et à la flore. C'est particulièrement vrai pour une espèce qui fait un intérêt supplémentaire à ce projet, c'est l'écrevisse à pattes blanches, un crustacé qui vit dans ces milieux-là et qui est rare et menacé. On va effectivement lui permettre de trouver des conditions de vie plus optimales. Ça va tout restructurer des parcelles qui étaient auparavant morcelées avec des bandes enherbées sur les deux parcelles. Il n'y aura plus qu'une rivière avec une bonne bande enherbée, une bonne restructuration parcellaire, quoi. Le syndicat qui est porteur est totalement aidé par l'Agence de l'eau et le Conseil général de l'Eure, parce que c'est quand même une nécessité de réaliser ces renaturations. Ces travaux de renaturation présentent vraiment de gros avantages. Je vais enclencher les actions dans ma commune et demander le soutien de l'Agence de l'eau.